Salut tout le monde, c'est 6h30 là, on vient de se réveiller pour aller au vide-grenier. On espère trouver des belles choses. Alors, la nuit a été compliquée, s'est passé beaucoup de choses, on a regardé beaucoup de sketchs de Muriel Robin. Bah bon, ça va être une belle journée, il fait beau là. Dieu nous a donné un beau soleil encore aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure les amis. Oh, on est en route pour le vide-grenier avec les camarades là. On espère trouver les bonnes choses. Ah, c'est magnifique, le soleil est déjà haut dans le ciel. On est prêt pour cette journée, les amis. On se retrouve dans le vide-grenier. On tombe sur une collection de DVD très intéressante. Il y a l'intégrale de Anne Roumanoff. Je vais voir au Tokyo Hotel. Ah, ça me rappelle il y a 10 ans. Oh, les meilleurs tubes 2006, ça a toute ma jeunesse ça. Fire Afghanistan sur Wii. Bon, je sais pas trop si ça cote ça, mais on va le prendre quand même dans le doute. Alors, on a une offre intéressante sur les cartes de condoléances. C'est ça, parce que ça vaut entre 4,50€ et 6€ la carte postale. Malheureusement, personne n'est décédé dernièrement. Ça ne nous intéresse pas. Oh, ça c'est le frère de Popeye, là, Luigi. Un joli bac, là, que de souvenirs. Ah, Robin l'amputé. Magnifique, ça, magnifique. Je vais demander combien coûtent les figurines, là. Oh, le pingouin. Oh, le pingouin. Oh là. Une belle figurine de Shrek. L'ami Shrek. Un personnage amusé. Au meilleur de sa forme. Oh, il y a aussi le bébé Shrek là. Oh, toute la collection là. Tout le full set. Ouais. Magnifique. On pensait pas trouver de si belles pièces dans ce vide-grenier. Ah, on va rentrer les mêmes pleines, je sens. Oh, il y a même le lion de Shrek. Incroyable. Ça y est, on a tiré le gros lot. Une PlayStation comme neuve. On a aussi trouvé PES 06 sur PS2, mais ça c'est pas la même console, ça nous intéresse pas, c'est trop récent ça. Nous on est dans le rétro gaming. Nous. On va essayer de trouver d'autres perles comme ça, on est déjà très content là de ce qu'on a. Ah, voilà, on a trouvé des DVD Sonic. On les a marchandés, voilà, on devait les avoir à 3€, on les a eu à 1,50€. C'est bien, on avance, on fait des trouvailles. On a trouvé un petit Pikachu. Ah, ça je connais, c'est Dragon Ball Z, ça. Ah, mais oui, c'est le maître. Lui, c'est Dragon Ball Z, lui. Le maître d'armes. Maxime s'est trouvé des petits comics là. Ah, j'ai une petite collection. Il aime bien les petits super-héros. X-Force, une valeur. Ah, X-Force avec Wolverine. Ah, Wolverine, excellent personnage de l'univers Wolverine. Ah, le meilleur. Agde. Agde, une bonne ville. Pour mieux connaître les villes. Un avion.
1000 avions. Ah, Mosquito. J'aime bien le jeu. Ah, les voitures de Metal Gear, ça c'est bien ça. Metal Gear. Ça j'aime bien ça, Metal Gear. Mec, il comprend. Elle doit aller vite celle-là. Oh, Pierce Brosnan. Yes, le meilleur. Ah, c'était le meilleur. Hein. Ah, ça c'est le clone du héros de Metal Gear. Ça c'est Solidus Snake. Solidus Snake, ouais. Ça, je connais ça. Je l'aime plutôt bien. Il est cool, il est cool. Sur l'île de Dead Island. Dead Island. Il a le virus, il va mourir. Oh, pas de spoil là, on ne spoil pas, monsieur. Oh, Rayman là. Rayman, eh oui. Oh, oh, montre à la caméra le Rayman. Rayman là. Oh, et regardez. Et ça, c'est Rayman de Rayman 2, ça. Oh, qu'il est beau ce Rayman. Regarde les détails, regarde les détails là. Ça, magnifique, ça, c'est magnifique. Bien, ça, c'est très bien. Ça. Personnage bientôt dans Smash Bros. Rayman. Rayman. Oh, ça c'est le copain de Rayman, ça c'est Murphy. Celui-là, on l'aime bien. Murphy, ça, Murphy, il est beau. Je suis le film de Luc Besson. Ah, je savais pas qu'il avait fait un film Rayman. Ah, et Garfield. Oh, Garfield. Parfait. Oser travailler heureux. Livre de droite, ça. Justement, livre de droite. Oh, Space Jam sur Game Boy. Ah non, c'est pas Space Jam, c'est... C'est Tony Hawk, il est con. Tony Hawk. Tony Hawk. Magnifique, magnifique, l'ami Pierre qui nous a négocié. Bigard, Stade de France. Putain, incroyable, ce vide-grenier, incroyable. On se régale. Magnifique, magnifique ce stand de rétro gaming. 24 heures du Mans, le jeu phare de la PlayStation. C'est bien ça, c'est bien. Incroyable, incroyable, on est content, on a trouvé. On va prendre pour compléter nos collections. Peut-être aussi le frère des ours. Frère des ours, Game Boy Advance. Qui cote pas mal. C'est bien. Sur eBay, ça vaut 50-60 euros des fois. Il y a moyen. Tout en boîte, bien complet. Incroyable. Oh, Samouraï Jacques. Incroyable, incroyable. Ah, on est de retour à la maison. On a fini le vide-grenier, on va faire un petit débrief. Alors, on a trouvé beaucoup de belles choses là. Vous pouvez voir, voilà, tout ce qu'on a trouvé. Avec une petite surprise pour l'ami Maxime à la fin là. Petit cadeau. Alors, on a trouvé un super DVD Muriel Robin pour compléter le full set. Alors, il n'est pas vide, c'est qu'on est en train de le visionner déjà, là. On ne pouvait pas attendre, on avait trop hâte. Il y a une très belle photo de Muriel avec ses danseurs. Ah, une belle pièce. C'est beau. Et ça, on l'a eu pour... je sais même plus combien, 50 centimes, tout comme ça. Alors, Fort Boyard, le jeu. Sur PC, CD-ROM. Bon, là, il y a un peu. Il y a une étiquette là. Ça va s'enlever. Ça part à la Javel, ça. Il est flambant neuf. Très content. Ah, un petit pet là. Mais... C'est très beau, c'est très bien. Fort Boyard, voilà. Une série qu'on connaît tous avec le père Foura. Voilà. Très beau, très beau. Il est dans son boîtier, voilà le jeu. Magnifique, il est complet. Voilà, et la notice. Le manuel du fort. Incroyable. Une image de la boule. Des images. L'image du menu du jeu. Ah, notre ami Passepartout. Ah, ça a l'air bien. Des beaux modèles 3. Ah, une pub pour le jeu C'est pas sorcier aussi. J'aurais bien aimé le trouver celui-là. Malheureusement, on peut pas tout trouver. C'est la jungle, c'est le vide-grenier. Ensuite, Bigard au Stade de France.
Voilà, très fan de Bigard. C'est un artiste très complet qui a su se, se remettre de son semi-échec en tant que humoriste pour devenir un tweetos incroyable. Voilà, moi il me régale, Jean-Marie. Voilà, spectacle qu'on regardera en famille sans doute. Très beau, très beau. Ah, je suis content ça. Bon, il n'y a pas de livret par contre, malheureusement. Mais il y a deux DVD, donc c'est encore mieux. Ensuite, on a 7 DVD Sonic X. Donc là, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux. Voilà, ça c'est rouge, on la connaît, rouge. Voilà. Il descend de Kirby 54, voilà, ça vous rappelle des choses. Ouais, Sonic, il est un peu fatigué, là. C'est parce que c'est des séries qui sont faites par des Japonais en boucle, voilà, on sait ce qu'ils font, ils travaillent dur, donc c'est pas très beau, des fois. Voilà, bon, là, Sonic, il fait une tête, bon, voilà, il veut pas très bien, quoi. Mais c'est une très bonne série. Tous les DVD contiennent 4 épisodes. Donc ça fait beaucoup d'épisodes, au final. Estelle, pour l'instant, tu meurs. C'est génial. Alors, bougez pas. Marinette. Bon, ils sont pas dans l'ordre. Il y a des DVD un peu n'importe comment, mais c'est un bon début pour une collection déjà. L'assistante, c'est comme mon ombre. Hop, allez, Marinette. Voilà, c'est parfait. Et on finit par le bijou de la collection, une PS1. Bon, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de manette. Mais c'est quand même une belle console. C'est quand même la console de Turok. Donc ça, c'est important pour moi d'avoir ça dans ma collection. Voilà, c'est quand même une belle console. On peut l'ouvrir. Wow, magnifique. Oula. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la refermer. Donc voilà, un vide-grenier plutôt fructueux. On a essayé de trouver un câble pour la PSO, mais ça s'est pas très bien passé, on s'est fait jeter par le vendeur. Voilà, bon. Mais malgré tout, de quoi remplir ma collection de DVD Sonic, ma collection de consoles, ma collection de jeux Fort Boyard, et ma collection de DVD d'humoristes avec Muriel et Jean-Marie. Donc voilà, voilà les amis, pour ce vide-grenier du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour plus de trouvailles, peut-être la NES en boîte enfin. Et voilà, à bientôt les amis. Tony Hawk. Tony Hawk.